Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Commentaire de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Frères et sœurs, l'anecdote que nous venons de lire en Matthieu 21, 28, 32 ne peut pas ne pas faire penser à Israël, peuple privilégié de Dieu. Malheureusement, malgré ce privilège, Israël est réticent à l'appel de Dieu que lui adresse Jean le Baptiste. De même, il résistera à la précieuse perche de miséricorde tendue par Jésus le Christ. Ce sera le même scénario dans la parabole des vignerons homicides et celle des invités au repas des noces. Pourtant, prudence oblige. Ne faisons pas de ce récit une allégorie plus ou moins moralisatrice. Il nous faudra faire, chacun, chacune, une introspection pour pouvoir améliorer notre vie au regard des attentes de Dieu. En effet, dans l'itinéraire de la foi, il y a souvent cette lutte entre le oui et le non. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à la vigilance et au discernement pour ne pas laisser passer ce qui est réellement essentiel pour notre vie. Les publicains et les prostituées auxquels Jésus fait allusion ont su percevoir cet essentiel, car du temps de Jésus, ils furent plus prompts à répondre positivement à l'invite pour la conversion. De la sorte, par le repentir, ils incarnent le peuple nouveau de pécheurs convertis que Dieu fera multiplier en royaume éternel. En d'autres termes, par la désobéissance, les pécheurs disaient non à Dieu. Néanmoins, ayant découvert la parole, ils ont abandonné les pesanteurs qui les charriaient vers le bas pour suivre et se laisser porter par celui qui les a extirpés des ténèbres vers la lumière. C'est dire que le plus important dans la foi, ce n'est pas seulement un penser juste et un parler juste qui court le risque de demeurer théorique. La foi requiert un complément qui lui donne toute sa consistance. L'agir juste. Quelle résolution ! Savoir me repentir. À Jésus, je veux accepter de dire oui sans connaître le pourquoi du comment. Comme Abraham dit oui et fit l'aventure avec Dieu sans savoir où il allait. Hébreux 11, 8. Notre prière. Seigneur, augmente ma foi. Quelles conséquences ? Quand nous avons confiance en Dieu, nous prononçons un oui performatif. Alors, nous traverserons et surmonterons les adversités du désert pour atteindre la terre promise, les cieux nouveaux. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.